esprit ne va pas s'asseoir à cette face d'argile. Car le percuteur plane sur l'enclume des schismes. Pim, pam, boum. On a face à soi cette face d'argile, mais on ne peut lui adresser la parole, elle ne répondrait pas. En aurait-on seulement l'idée, ne nous dirions-nous pas qu'elle est sourde, mais ne serait-ce pas un prétexte? Si on s'approche de très près, très près, très près, comme pour examiner un objet curieux, on peut supposer cependant que quelque chose en elle sent, pressent, ressent, respire même. Je m'assois. Toi, tu es où? Là. Unheimlich. Jamais la tête de Glaise ne verra l'image d'elle-même, car elle n'est pas douée d'yeux. Elle a peut-être des yeux tournés vers le dedans. Elle ne sera pas confrontée à sa propre forme. Elle ne saura pas ce qu'est un miroir. Le secret des reflets lui échappera toujours. À l'époque, je faisais des repérages de sites dans Bordeaux en vue d'y développer des actions vidéo. Mon choix s'opérait en fonction d'une certaine disponibilité du lieu, friche, chantier, mais aussi et surtout de l'architecture présente à l'arrière-plan. Aujourd'hui, sur ces sites, des bâtiments ont été démolis, d'autres construits.
Il y a donc des points de vue qui n'existent plus. De la même façon, sur un chantier, ça change tout le temps. Des choses disparaissent et d'autres apparaissent. Cela amène le regard à des endroits différents. On retrouve d'ailleurs là la notion de cadrage, comme dans la vidéo. C'est un mouvement perpétuel. Différents états se succèdent. Si tu ne les as pas vus, ils sont perdus. Une fois que le bâtiment est fini, ça n'existe plus. Dans le temps du chantier, il y a un moment où on a la sensation que tout est encore possible. Un stade où il y a suffisamment d'éléments pour imaginer de quelle façon ça pourrait prendre forme, des repères pour projeter ses propres visions. Ce n'est pas une plage blanche. Ensuite, avec l'avancement de la construction, ça se referme. Il y a de moins en moins de possibilités, tout se précise. De ma façon de procéder, le travail artistique est assez comparable. Au début, je pars de certains éléments, j'expérimente, et à un moment, c'est un peu un moment d'euphorie d'ailleurs, j'ai l'impression que l'état de possible s'ouvre. Et puis ça se referme au fur et à mesure que je fais des choix. Les citoyens n'ont pas du tout accès. Donc, le chantier de construction, on peut le voir, on y a accès, mais celui-ci, on ne le voit même pas. Quoi. Donc voilà, un petit exemple de ce qui peut être mis en visibilité et questionné dans ce genre de travail. Ce projet de conservatoire et de centre d'art de la Pomme de Terre. Premièrement, l'intérêt pour ce tubercule. Bon, voilà, et tout ce qui symboliquement peut véhiculer. Mais j'interviens aussi dans le fait que je vais mettre à disposition un terrain pour accueillir ce centre d'art. J'ai trouvé sur le bureau un objet qui est un peu assez anodin finalement, c'est ça aussi. Un coquillage. Et je l'emporte. Et après, il me faut trouver une justification à ça. Ce coquillage, dont je ne connais pas le nom scientifique, et d'ailleurs très beau, hein, ce coquillage qui doit venir des mers équatoriales ou tropicales, je ne sais pas, je ne trouve rien. Peu importe. Je vais l'enrober de l'imaginaire et d'un rêve. Et il ne prendra sens qu'au cœur de ce rêve.
poursuivre notre discussion sur les objets. Thank you.